Bonjour à tous, merci la mairie, merci le CNAM, merci Laurence qui a expliqué que ce n'est pas par hasard qu'on parle du hasard. J'attendais de Étienne qui trouve une anagramme du hasard ou des aléas du hasard, mais il y a le temps. Donc, en deux, trois mots, d'abord pour répondre à la question, l'astronaute et l'astronautique en général, et les métiers à risque encore plus généralement, mais avec une différence. Dans l'espace, s'il y a un problème, on ne peut pas tout éteindre et appeler l'équipe de maintenance pour réparer. Donc, on laisse aucune place au hasard. En fait, comme on ne peut pas laisser aucune place, on laisse la place la plus réduite possible. Et lors de mes trois missions spatiales à bord de la navette, des calculs probabilistes faits les plus précis possibles nous disaient il y a une chance sur 300 que vous explosiez en vol, en orbite, à cause d'un impact d'astéroïde. Pour la station spatiale, c'est une chance sur 8 de perdre la mission et pas l'équipage sur une période de 10 ans. C'est une probabilité de 1 sur 60 de perdre l'équipage sur une période de 10 ans d'habitabilité continue d'ISS. Voilà. Donc, et ça, c'est un calcul de probabilité parce qu'on ne sait pas tout calculer sur les météorites, la répartition, leur taille, etc. Donc, on laisse la plus petite chance possible, on la réduit, on la compresse au maximum que l'on peut, mais pas à zéro. À zéro, ça voudrait dire on décolle pas. Bon, ça, c'est pas acceptable. Donc, c'est pour ça que dans l'histoire des vols habités, on fête cette année les 60 ans du vol de Gagarine, on n'a jamais perdu un humain en orbite. On a connu les pires catastrophes, le feu, l'explosion, la fuite, etc. On a toujours sauvé l'équipage. On a perdu, malheureusement, deux équipages soviétiques, deux équipages américains, mais que dans la partie énergétique de la montée dans l'atmosphère ou de la rentrée dans l'atmosphère. La partie la plus énergétique où on part de zéro énergie au sol, au maximum d'énergie cinétique et potentielle qu'on n'ait jamais communiqué à un être humain. Pour vous donner une idée, la navette spatiale américaine, 2 minutes après le décollage, elle développe une puissance mécanique de 45 gigawatts. Si c'était de l'électricité, on pourrait satisfaire la demande, tout utilisateur confondu, de la France entière, pendant qu'on a cette puissance au mois de septembre. Là, on est à 30 gigawatts l'été, on est plutôt à 70 en ce moment parce qu'on met le chauffage électrique. Et c'est là qu'il y a le risque qui est très élevé au lancement et à la rentrée. On accède à une vitesse de 28 000 km/h et on est à 400 km d'altitude. Mais les quelques accidents qu'on a connus dans l'atmosphère, ce n'est pas dû au hasard, ce n'est pas un coup de malchance. Les deux cas d'accidents mortels en navette spatiale, c'est un excès de complaisance du top management qui n'a pas su écouter les experts qui expliquaient pourquoi il ne fallait pas lancer. Si on lance, on a de bonnes raisons de penser qu'il peut se passer ça. Et c'était écrit à l'avance. Voilà, on laisse aucune chance au hasard. Mais je voudrais dire deux autres choses sur le hasard. C'est des questions sur le hasard que je me suis souvent posées. Dans toutes les sélections d'astronautes, il y a un processus qui se déroule sur un an avec plusieurs étapes. Donc j'ai passé une sélection dans le deuxième groupe d'astronautes français pour 85. J'ai refait une sélection en partant de zéro pour le deuxième groupe d'astronautes de l'ESA. J'ai été aussi sélectionné par la NASA pour intégrer leur 14e groupe d'astronautes NASA. À la fin d'une sélection, il y a toujours, en gros, 2 à 3 fois plus de candidats, tous déclarés également excellents pour le job, sur plan psychologique, psychomoteur. Enfin, ce n'est pas qu'on est meilleur que d'autres humains, c'est juste qu'on est bien câblé pour le job. C'est un job d'opérateur, hein, le métier d'astronaute. Notre métier, c'est exclusivement opérer des machines complexes en environnement extrême hostile. C'est que ça. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons la recherche scientifique. Hein. C'est les scientifiques au sol pour lesquels on est juste les yeux et les mains. Quoi. On est des opérateurs de leur instrument. Mais pourquoi à la fin, quand il y a une vingtaine de candidats et qu'on en prend 7, pourquoi moi, je suis dans les 7? Pourquoi ils n'ont pas pris celui qui était à côté de moi? Je n'ai pas la réponse. Ben, évidemment, ce jour-là, le jury, ils ont eu peut-être, en réfléchissant, ben, j'ai une étoile qui fait que ce jour-là, c'est tombé sur moi. Mais la même sélection, le même processus, l'année d'après, avec peut-être un autre directeur général ou un autre directeur des vols habités, ben, ils auraient pris un autre Français. Ça, c'est... Alors, une autre question de hasard, pour terminer, sur laquelle je n'ai pas la réponse. Quand vous regardez la Terre défiler à 28 000 km par heure sous vos yeux depuis l'espace, on fait 16 tours du monde par jour. Toutes les 45 minutes, le soleil se lève ou se couche. On change de saison toutes les 45 minutes. Quand on est sur une orbite très inclinée sur l'équateur, hémisphère nord, c'est l'hiver, tout est blanc. 45 minutes plus tard, on survole l'hémisphère sud, c'est l'été.
on a l'impression d'observer une œuvre d'art plus belle que le plus beau des tableaux que jamais l'humanité pourrait dessiner ou peindre. Qu'est-ce qui a créé ça? Est-ce que c'est le hasard qui a fait que cet objet qui a sa propre vie géologique, climatique, tectonique, cosmique, il y a des aurores polaires, il y a des impacts d'astéroïdes, il y a des alternances de forêts tropicales, de déserts ocres, de toutes variétés, de couleurs turquoises, des atolls de Polynésie, l'Himalaya. Vous en pleurez, même si vous êtes le plus endurci des astronautes, comme dans le film Gravity. Est-ce que c'est le hasard ou pas? Je n'ai pas la réponse, mais peut-être que vous me la donnerez dans quelques mois. Voilà, ben, je vous remercie.